Et donc, pour faire on va procéder donc à la formation du dessus de notre chausson. Pour cela, on va faire on tricote 16 mailles avec la laine rousse. On tricote 16 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On va faire une pointe. Comme ça, on fait une maille à l'endroit. On refait une pointe. Donc, je glisse deux mailles. Je le remets sur l'aiguille et je les tricote ensemble. Ça, c'est la deuxième pointe. Une maille à l'endroit. Je refais la même chose. Ça me fait donc trois pointes et trois mailles à l'endroit. Alors, une pointe, je fais une maille à l'endroit. Je tricote deux mailles ensemble. Je fais une maille à l'endroit. Je fais deux mailles ensemble à l'endroit. Je fais une maille à l'endroit. Et je fais deux mailles ensemble à l'endroit. Donc trois de chaque côté. Et je fais une maille à l'endroit et là il me reste 16 mailles. Donc je refais, je tricote les 16 mailles et je vais repartir par l'envers. Comme ça. Quand je termine de tricoter, comme ça, je repars avec la laine rose, mais par l'envers. Je tricote toutes les mailles à l'envers et on se retrouve à la troisième rangée, à la deuxième rangée de nos diminutions. Et donc là, après la première diminution, on se retrouve avec 44 mailles. On va faire la deuxième série de diminutions. On reprend la laine blanche. Deuxième série de diminutions. On va faire 15 mailles tricotées à l'endroit. Donc, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles. On fait une pointe. On fait une pointe. Là, on va faire deux mailles à l'endroit. Une, deux mailles à l'endroit. On refait une pointe. Pointe. Une pointe. Deux mailles à l'endroit. On va faire deux mailles ensemble à l'endroit. Deux mailles à l'endroit. Et une deuxième fois, deux mailles ensemble par l'endroit. Il nous reste 15 mailles. On tricote le 15. Et on repart par l'envers. On va tricoter les 15, on va repartir à l'envers et on se retrouve ici. On repart par l'envers. Donc, après la deuxième série des diminutions, on reste avec 40 mailles. On travaille tout par l'envers.
un ton de travail. On va faire la troisième série des diminutions avant la dernière. Donc, on fait 15 mailles. Alors, on reprend le rose. On fait 15 mailles. 14 et 15. On fait une pointe. On glisse 2 mailles sur l'aiguille droite. On le glisse sur l'endroit et on le remet et on tricote les 2 mailles ensemble. Une pointe, une maille à l'endroit. On refait la même chose. On fait une maille à l'endroit. On va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. On fait une maille à l'endroit. On va tricoter de nouveau 2 mailles ensemble par l'endroit. Et ça nous fait 2 mailles ensemble à l'endroit et une 2 pointes de chaque côté. Il nous reste 15 mailles. Et on va tricoter les 15 mailles par l'endroit et on va repartir par l'envers. Alors, on repart par l'envers sur les 36 mailles qui nous restent sur les aiguilles. On va tricoter toutes par l'envers. Et on se retrouve au début de la dernière série des diminutions avant de former donc la cheville de notre chausson. Alors, on repart avec la laine blanche. On va faire 16 mailles à l'endroit. Donc 14, 15 et 16. 16 mailles, on va faire une pointe. On fait une pointe. On va faire 2 mailles ensemble. On va tricoter. Oui. Comme ça. Donc, une pointe, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on va tricoter les 16 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On va tricoter toutes les mailles, comme toujours, par l'endroit. Et on va repartir par l'envers. Donc, on se retrouve ici pour former la cheville de notre chausson. Là, on a fini de former les dessus de notre chausson. Et on va pouvoir former donc la cheville. Pour cela, on va faire une rangée en côte de 2-2 en rose. On va faire simplement une, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles par l'envers, 2 mailles par l'endroit tout au long du travail. Mais ce qui va changer un peu, c'est que j'ai voulu faire la cheville en rang, comme ça quand je vais faire la couture, je vais juste coudre donc c'est le dessous et les deux parties du derrière. Alors pour cela donc, on va utiliser deux autres aiguilles à double pointe pour travailler en rang. Donc on va faire une rangée en rose. Ça. Je prends juste une autre aiguille. Ça va me permettre de travailler en rang
comme ça. Non, je vais repartir les 34 mailles sur 3 aiguilles à double pointe. La répartition, c'est pas, il faut juste et là on va pouvoir travailler en rond. On va prendre les mailles comme elles se présentent, comme on travaille en rond, en côte de 2-2. On va prendre les mailles comme elles se présentent. Donc si c'est par l'endroit, on tricote les mailles par l'endroit. Si c'est par l'envers, on tricote par l'envers. Simplement comme ça. Alors, ce qu'on va faire, deux rangées en rose, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rangées en blanc et on va repartir avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées en rose. Après le reste, on verra ça après. Donc pour le moment, on va d'abord monter les rangées et on se retrouve après. Arrivé à la fin donc, de la formation de la cheville, on prend un crochet numéro 2 demi. Alors, j'ai fait un petit ornement, comme vous pouvez le voir, au crochet. Au crochet donc. Alors, pour réaliser cette petite bordure avec un crochet, donc là nous sommes au début, on va faire et on va arrêter les mailles comme suit. On fait 6 mailles chaînettes en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je vais relever simplement comme ça, 2, 3, 4, 5 et 6. On va voir, ça me donne ça. Ça me donne donc ceci et je vais faire sortir ma laine. Je fais une maille coulée, je viens, je repique dans le même trou et je termine par une maille serrée, bride, oui, c'est le crochet, oui, et je repars donc. En même temps, je vais réaliser les petites dessins. En même temps, je vais arrêter avec les mailles. Donc, je fais 3 mailles. Je refais la même chose. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je vais, comme toujours, je refais la même chose. 1, 2 plutôt. 3, 4, 5 et 6. Comme ça. Et je tire. Ça et je fais une maille serrée, bride serrée. Je viens, je ressors par comme ça. Donc, alors on repart, on arrête 3 mailles. Alors, on va répéter la même opération jusqu'à la fin et ça va nous donner ceci. Et on se retrouve à la fin. Alors, après avoir fait la petite bordure,
on fait la couture, donc on commence là où on a commencé avec là où on a commencé de travailler en rond. On fait la couture jusqu'en bas et puis on arrête. On va couper tout ça et nous avons notre petite botte à la fin. On termine avec donc et on va cacher ce petit bout de fil avec une aiguille entre les mailles. Et à la fin, on a notre petit chausson. Et ça nous fait du. Alors, voilà. J'espère que le petit modèle va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner et à toutes. Je vous souhaite un très bon samedi et bien, 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 bien de bonnes choses à tout le monde. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.